Joan Peytavi est professeur des universités à Perpignan. Il a d'abord été professeur au lycée de Serré, où tu as enseigné l'histoire et géographie et le catalan. Et puis tu n'as pas enseigné l'histoire et la géographie, tu as continué à faire de l'histoire et géographie, mais en catalan. Joan Peytavi est docteur en études catalanes, ou en langue catalane, c'est ça. Professeur des universités, donc habilité à suivre des recherches. C'est-à-dire non seulement toi tu cherches, mais tu aides les autres à chercher. Voilà. C'est ça, tu les diriges dans leur recherche, c'est important. On a une cherche aujourd'hui. Voilà. Des chercheurs aussi. Tu cherches des chercheurs. Oui, mais comme disait quelqu'un, on voulait bien, c'est surtout des trouveurs qu'on veut. Mais dans ces domaines-là, c'est plus difficile. Bon, tu es aussi membre numéraire de l'Université de langue catalane de Barcelone. Voilà. Et depuis les années 2000, tu as publié bon nombre de choses qui tournent toujours, évidemment, c'est du catalan. Tu as travaillé pas mal sur des études notariales, etc. Sur de la généalogie. Et tu me disais à propos du livre, bon, moi je viens à Bayeux, pas pour vendre des livres et pour faire une conférence. Tout en disant que, j'ai trouvé ça sur ton site, et moi je suis tout à fait d'accord avec toi, deux choses. C'est que c'est l'histoire et la généalogie de 84 familles. Ce sont des petites histoires, c'est avec les petites histoires qu'on fait la grande. Et puis tu disais aussi que tu tenais beaucoup à faire cette conférence parce que la communication orale permet davantage la communication que le livre. C'est bien d'écrire des livres, mais si on ne les présente pas, bon, c'est pas en les feuilletant que les gens vont systématiquement entrer dans le livre. Et donc c'est cet univers-là que je propose de nous présenter aujourd'hui. Voilà. On te remercie infiniment. Je rappelle toujours que c'est un dimanche. Joan Peytavi fait beaucoup de travail, de recherche, d'enseignement, aussi bien à Perpignan, à Barcelone et ailleurs. Et croyez-moi, c'est très bien qu'il ait trouvé un petit peu de son temps, d'abord pour trouver la salle de Melty, et puis ensuite pour nous retrouver de manière entièrement bénévole, comme tous nos conférenciers. Alors nous te disons d'abord qu'on te pardonne, pour cette fois, pour la prochaine fois, je ne sais pas, et puis on te dit surtout un grand merci. Voilà. Merci. De toute manière, quelque part, tu m'as déjà pardonné par ton discours, puisque tu me dis la prochaine fois déjà. Oui. Tu imagines bien qu'il y a une prochaine fois. Et je me souviens à Montpellier, à Montpellier. À Montpellier, pardon, d'accord. Je me souviens de la dernière fois, et Sylvie me permettra d'avoir une pensée pour Francis, puisque c'est lui qui m'a amené la première fois dans cette salle de Montpellier, en me disant, bon, Rémi, une race d'équipe, nous parlons d'autre chose. Hein. D'autre chose, non, heureusement pour me dire ce que tu nous as fait, ça nous barbe, tu nous parleras d'autre chose. Non, pour me dire, on viendra nous expliquer d'autres choses. Alors, je remercie Jean et je vous remercie tous d'être venus m'écouter cet après-midi, parce que c'est vrai que je ne suis pas un bon vendeur de bouquins, quoi. Moi, j'ai le commerce, c'est pas trop mon truc, moi, c'est. C'est parler un peu de mon produit. Après, pour la vente, je suis pas un mec, il faut de tout pour faire le monde. Parce que je ne sais pas, en tout cas, chaque fois que j'ai présenté un livre dans ma vie, chaque fois que j'ai présenté un travail arrivé, bonjour, voilà, j'ai du matériel à vous vendre. Non, moi, il faut que je vous parle de ce que j'ai fait. Et c'est un peu le but de ma... c'est pas une conférence, mais on dit cette conférence, présentation sur ce travail que... qui m'a donné beaucoup de plaisir pendant, je vais dire, presque des dizaines d'années. Avec mon grand âge, vous comprenez que ces dizaines d'années, elles se comptent à peu près en deux, trois décennies, on va dire, mais en gros, c'est vrai. J'explique un peu l'histoire à travers ce livre d'une de mes passions, qui est l'histoire des familles. Hein. Qui est une passion qui m'a pris très petit, à l'âge où les gens vont s'amuser dans la rivière, hein, ou vont s'amuser à chasser papillons, ou à bagnoles, le savon, à la pêche, ou à la plage, j'y allais aussi, rassurez-vous. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette passion pour l'histoire, et à un moment donné, j'ai eu cette passion pour mon histoire personnelle.
Et donc j'ai eu cet amour pour la généalogie. C'est le nom qui est en plus très à la mode. Depuis quasiment que je m'y intéresse, je suis né avec cette mode-là un peu. Même si au début je me trouvais avec des gens beaucoup plus âgés que moi, aujourd'hui la généalogie est quelque chose de très populaire et popularisé. De ce fait, c'est quelque chose qui m'a toujours suivi. Quelque part aussi, c'est mon hobby. C'est quelque part aussi une petite drogue, vous savez. Et celle-là, elle n'est pas nocive en plus, parce que quand je m'ennuie ou que ça va mal, je vais voir des vieux papiers. Ah, ça me fait de tout, ça m'excite, je vais voir des archives. On me prend pour un fou, mais c'est comme ça. C'est comme ça. J'explique souvent que quand j'étudiais le bac, j'en avais marre, vous savez, ça fait vraiment déjà. Mais de temps en temps, je me fais une après-midi d'archives. C'est comme ça. De temps en temps, souvent, quand la fac vous gonfle, et ça gonfle souvent la fac, vous savez. Enfin, pas la fac en tant que telle, souvent, ce qu'on appelle les faceurs, vous savez, les profs de fac et tout ça. Je m'en vais passer une journée aux archives à Perpignan, aux archives à Vic, aux archives à Barcelone. Et de tout ce plaisir, quelque part, j'avais envie d'en laisser une trace. Alors, je vous présente aujourd'hui, c'est vrai, un livre de généalogie, mais qui, avec le temps, est devenu un livre d'histoire. D'histoire avec un S et d'histoire sans S. De petites histoires, et comme l'a dit Jean en introduction, aussi de la grande histoire. Alors, c'est un livre à la fois sur les sources, c'est un livre sur les origines, c'est un livre qui est une quête personnelle, mais qui est la quête de tout un chacun quand on s'intéresse à l'histoire familiale. Et c'est un livre qui à la fois aussi résume ce que peut apporter la généalogie, tant en tant que plaisir personnel qu'en tant que volonté de faire de la recherche, on va dire, à un niveau plus élevé. C'est vrai qu'en plus, comme beaucoup d'historiens, ce plaisir de la recherche, on sait qu'il la plupart du temps n'est jamais assouvi. Et s'il y a bien un moment où on va dire une branche de cette recherche dans laquelle on sait qu'on ne trouvera pas, c'est bien en faisant la quête de ses ancêtres. Parce que c'est un livre sans fin. Chaque fois qu'on en trouve deux, qu'on en trouve quatre, on multiplie le nombre par deux parce qu'il faut continuer à chercher. Et quelquefois, on est soulagé en se disant, là, on sait que les archives ont brûlé, on ne trouvera rien. On a enfin une fin bien entendu qui n'est pas une fin en soi, parce qu'on a toujours des moyens détournés, je vous en parle de retrouver, je vous en parlerai dans un petit moment, mais c'est vrai que c'est un peu cette démarche-là. Toujours, bien entendu, avec une volonté de divulgation. Ça, j'y tiens beaucoup. J'aime autant être là que devant mes étudiants. Bon, peut-être je vais même dire je préfère être là que devant mes étudiants, parce que vous avez fait le déplacement pour venir. Les étudiants, ils savent qu'ils ont cours de 8 à 10, et donc ils te disent, bon, il faut qu'on aille écouter Beit Hamik, que ça vous plaise ou pas. Demain, je sais que ce jour-là, de 9 à 12, ils vont m'entendre sur la guerre, les ressources sociaux et la chute de Barcelone 1714. Je ne sais pas si ça va les faire fantasmer, mais on va essayer en tout cas. Parce que il faut essayer de faire porter cette recherche, il faut essayer de faire porter ce message de la formation. Et moi, en tant qu'universitaire, ce que j'aime, c'est divulguer vraiment, porter aux gens ce que j'ai trouvé. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont partagées, il y a beaucoup de choses qui sont transmises, et parfois beaucoup plus qu'à travers un livre. Donc, même si on écrit un livre, bon, allons montrer aux gens ce que l'on trouve dans nos propres papiers, donnons le goût d'aller chercher. Alors, je vous expliquerai un peu le pourquoi et le comment de cet ouvrage. C'est vrai que c'est un travail d'accumulation, allez, aux ordres de 25 ans, ouais, j'ai commencé assez petit, de 25 ans de recherche, de données familiales, et parce que j'ai voulu à un moment donné rassembler, parce qu'il y avait cette volonté de créer quelque chose à partir de ce qui était une passion. Comment cette passion, la faire passer aux autres, même si elle est quand même pas mal partagée aujourd'hui. Et en plus, c'est un travail qui est, je vous dis sans fin, et qui est un travail en construction permanente. Et c'est quelque chose qui est sans cesse à compléter. Ce ne sont que des ébauches d'histoire, ce ne sont que des ébauches d'histoire familiale, des ébauches de généalogie, et qui peuvent être à la fois sans cesse remises en cause, ces généalogies. Alors, dans les quelques présentations que j'ai faites, parce que le bouquin est sorti juste au moment de Noël, et encore une fois, ça a été mal goupillé de la part de l'éditrice, c'est sorti 10 jours avant Noël. Il fallait le faire sortir 10 semaines avant Noël. Bon, vous savez,
il y a des problèmes de vente et tout, on est obligé chaque fois de calculer ça. Moi, ça. Mais ce que je voulais, c'était justement que ce travail puisse être pendant plusieurs mois, le plus possible, puisse être présenté, puisse être divulgué, pour bien montrer que chaque fois, ce travail était discuté. Ce travail était discutable parce que c'est un travail en construction. Ce sont des ébauches d'histoire familiale et que chaque fois, on peut trouver un truc en plus, on peut trouver une famille en plus, on peut trouver une génération de plus, on peut trouver un collatéral. On va me dire, tiens, tu t'es trompé pour telle et telle raison. Et ça qui me plaît. J'adore quand quelqu'un vient me dire, là, tu t'es trompé. Il y en a déjà qui me l'ont dit. Hein. Alors, rassurez-vous, je sais qu'il y a une photo qui ne correspond pas exactement à ça. Même si ma source était la meilleure, et on se trompe, c'est comme ça. Et il faut sans problème l'assumer. Alors, ce n'est pas un livre de biographie, malgré sa présentation, parce que... Je ne m'intéresse aux 84 personnages qui sont évoqués que parce qu'ils ont des ascendants, que parce qu'ils font partie d'une famille. Alors je vous expliquerai un peu les quelques bagnoulecs qui s'y trouvent, mais je ne m'intéresse pas par exemple à la vie d'Aristide Maillol parce que je ne suis pas du tout compétent sur la chose, je ne suis pas du tout spécialiste ni d'histoire de l'art, je ne suis qu'un public comme vous pour ce qui est de Maillol. Par contre, j'ai des choses à dire sur sa famille. J'ai des choses à dire sur le pourquoi de ses grands-parents, ou comment ils ont évolué, comment ils se sont mariés, comment ça on peut... Et c'est ce qui m'intéressait. En réalité, j'ai choisi des 84 personnalités qui n'étaient que des prétextes à... Et donc des prétextes subjectifs et arbitraires à une recherche familiale. Et de ce fait, à travers cette recherche familiale, j'ai pu parler de quantité importante de familles, d'origine de familles, de langue, de géographie, d'histoire, de peuplement, de population, de migration. En gros, c'était ça. Et c'est dans ce sens-là aussi que je vous dis que de ces petites histoires, on peut en tirer une grande histoire. Ce qui m'a quelque peu, vous allez me dire que tu es bien naïf et je ne te crois pas, mais ce qui m'a quelque part un peu étonné, parce que c'est vrai que au début, j'étais parti pour raconter des anecdotes. En gros, c'est ça. Je vais vous dire, c'est vendeur, on raconte des petites histoires, comme on en raconterait 2 minutes tous les jours à la radio. C'est super, on fait des trucs. Mais finalement, quand on les réunit sur un nombre de siècles déterminés, sur un espace déterminé, que je vais vous préciser, je me retrouve à définir malgré tout toute une série de personnages dans une grande histoire, dans un continuum historique, dans une perspective de 3, 4, 500 ans quasiment. Alors, comment j'ai composé un peu ce travail? C'est divisé, le livre est composé de 84 chapitres, il y a une introduction, bien entendu, qui vous explique ce que je suis quelque part en train de vous expliquer. Chaque fois, j'ai une recherche généalogique qui est signifiée chaque fois par un... par un arbre généalogique, chaque fois que je peux sur 5 générations. Alors vous allez voir que certains c'est facile, d'autres ça l'est moins. Et c'est dû au fait tout simplement de la difficulté de la recherche en archives, de la difficulté des archives démographiques ou des archives familiales. Et en même temps, on peut voir que chez nous, nous avons quand même une grande chance, c'est que nous avons des archives qui sont très bien conservées. Il y a très peu de lacunes. Tout un chacun qui est originaire de par là peut remonter facilement 500 ans de sa généalogie, toutes branches confondues. Alors bien entendu, il faut être d'ici. Parce que si vous êtes par exemple 50 km plus au nord, vous avez moins de chances de remonter 500 ans. Si vous êtes 500 km, 20 km ou 30 km plus au sud, c'est beaucoup plus aléatoire. Nous, on a des séries qui sont quand même bien conservées. Ben, pourquoi? Ben, parce qu'on n'a pas eu de guerre depuis longtemps. Parce qu'il y a longtemps qu'on est sorti de l'histoire. Qu'on vit tranquille entre Alvert et Corbière et Canigou, et que nous n'intéressons plus personne. Alors ça, c'est un avantage pour les archives, ça veut dire que rien n'a cramé. Bien, ça, on est tranquille dans notre coin, là, et quelque part, on a de superbes monuments, on a de superbes rétables, on a de superbes fonds notariaux, on a de superbes archives administratives, on a de superbes... On a tout.
Ben oui, parce que forcément, on n'a plus rien représenté comme un jeu dans l'histoire depuis quasiment plus de 300 ans. Donc, quelque part, tout a été facile à préserver. Il y a très, très peu de lacunes. On en trouve, malheureusement, on en trouve. Et je sais de quoi je parle quand je parle à Bagnols, où on n'a pas de registre paroissial en 1737. Et ça, c'est quand même embêtant. Qu'on est aussi embêté à Bagnols parce que des archives notariales, où vont les Bagnolais pour faire un contrat de mariage? Ou pour vendre une poule, hein, parce qu'on va chez le notaire chez nous pour vendre une poule, pour acheter deux chèvres. On va chez le notaire, on fait 15 bornes, 30 bornes pour aller au notaire à Collioure, pour aller au notaire à Perpignan, pour aller au notaire à Castelnau-d'Ampouliez ou à Pellerade, où on a des notaires seigneurs, où on a le curé qui parfois fait office de notaire. Mais on trouve. Quand on sait chercher, quand on veut trouver, on finit vraiment par trouver. Et de ce fait, on a aussi cette chance de pouvoir écrire un ouvrage comme ça chez nous, parce qu'on a des fonds qui sont quand même super. Alors, c'est pas dû uniquement à ça, bien entendu. Nous sommes fondamentalement un pays de droit écrit. Le premier élément que je vous décrivais, c'était dû au fait seulement. Qu'il n'y a pas eu, d'événements politico-militaires qui ont détruit tout ce que ce pays de droit écrit a pu produire sur des siècles. Alors, à côté de cette généalogie, j'explique chaque fois, non pas la vie d'un personnage, mais la vie de ses ancêtres, sur, en réalité, deux pages, et puis j'ai chaque fois une iconographie que je veux croire originale, et il y a dans la salle d'ailleurs des gens que j'ai sollicités pour avoir des documents de manière à pouvoir proposer à mon éditeur chaque fois 84 chapitres, 5 ou 6 photographies que lui quelque part a choisi. Donc vous imaginez un peu la recherche iconographique, ça c'est la première, la dernière fois, hein. Surtout que j'ai fait ça à la fin. Et j'ai perdu 2 ans, j'aurais dû venir vous raconter ça il y a 2 ans quasiment, parce que il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas. Je me suis trompé complètement. Moi, je pensais que je trouverais des documents à mettre chaque fois sur mes jolies pages blanches avec des photos du grand-père ou de la grand-mère ou de l'arrière-grand-mère d'Aristide Maillol. Mais non, forcément, je ne l'avais pas. Donc, il fallait que je trouve autre chose. Et chaque fois, je voulais que ce soit directement en relation avec les ascendants, pas autant avec la personne. Bon, la plupart du temps, on finit par retrouver une image qui rappelle la personne, mais quand je peux trouver la maison familiale, ou quand je peux trouver un contrat de mariage assez intéressant, qui explique un moment intéressant de 2-3 générations avant, ça, j'essaie de vous en faire profiter. Ou quelque chose qui a permis de rectifier, par exemple, une erreur qui était connue sur certaines histoires familiales. De ce fait, j'ai pu même avoir des documents, par exemple sur l'abbé Rousse, même si je vous dis qu'il n'était pas Bagnolet, d'ailleurs déjà vous allez me lyncher, vous ne me pardonnerez plus mon retard, et bien entendu, Rousse est un Bagnolet, même si justement, expliquer l'histoire de l'abbé Rousse en tant que tel, en tant que personnalité intéressante de notre histoire, c'est expliquer une autre histoire, c'est expliquer l'histoire d'une famille qui est originaire de Prades, et qui, ce qui est sympa, c'est que ce sont des fabricants de tonneaux. Pour le gars qui a inventé, on va dire, allez, ne me léchez pas une deuxième fois, qui a inventé le Bagnols, c'est assez sympa de penser qu'il est issu d'une lignée de Ross écrit R-O-S, qui en plus arrive à Prades au début du XVIIe siècle, originaire d'un village qui s'appelle Ribeil de la Samaos. Ribeil des Comportes, qui est entre Quillan et La Velanée, Rivel, aujourd'hui ça s'appelle Rivel, à l'époque il l'appelle Rivel de la Samaos. Et bien entendu, qu'est-ce qu'il fait? Ils sont Samalaïs. Alors quand ils arrivent à Prades, je ne sais plus si c'est vers 1605 ou 1610, ces Rousses arrivent à Prades et se mettent pendant des générations à faire des tonneaux, des boutes ou des. Mais il y a des Samalaïs, pas uniquement boutes, il ne faut pas uniquement que des cuves. Et c'est assez sympa le clin d'œil, ça c'est le jeu de l'anecdote qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve avec un abbé Rousse
qui va mettre du vin de messe, et tout ça, vous le savez mieux que moi, moi, il ne m'intéresse pas la vie rose. Moi, c'est les insectes qui m'intéressent. Après, je pourrais vous expliquer sa mère, sa grand-mère, etc. Moi, je vous raconterai Mayol tout à l'heure. De ce fait, ce qui a été important, ça a été de définir le temps de cette recherche. Le temps, il a été dicté par la Chine. Je ne peux pas faire des généalogies de gens qui sont nés au XIIIe siècle. D'une personnalité bagnolenque ou libérienne ou bachanenque du XIIIe siècle. Si ce n'est pas un noble, un seigneur, parce que les petites gens ont aussi des archives à cette époque-là, mais il est très difficile d'avoir des archives qui soient filiatives. Il est très difficile de suivre les gens. Et puis on n'a pas les quantités industrielles non plus, hein, il faut dire les choses, comme elles sont. Le notariat commence au XIIIe siècle, ce qui est déjà pas mal, parce qu'en plus les Catalans sont les premiers. Avec les Italiens, les premiers à aller à Bologne, on va dire, après les Italiens, à produire de l'archive notariale en grande quantité, celle où on va trouver le plus d'éléments pour l'histoire des familles et pour la démographie. Alors c'est vrai que le temps de la recherche, c'est 16e, 19e siècle. Les derniers naissent en 1900, 1905. J'y ai Ludovic Massé, j'y ai le rugbyman Jean Gallia, parce qu'il faut de tout pour faire apprendre, je vous expliquerai qu'il y a là aussi. Et en plus, j'y tiens, moi, en tant que trésiste, ne me lâchez pas si vous êtes des kinésistes. Et de ce fait, l'immense majorité de ces 84 chapitres se situe entre 1500 et 1900. Alors, bien entendu, les gens qui sont nés en 1900, ils ont vécu au XXe siècle. Alors là, de nouveau, je vais re-engueuler mon éditrice, parce qu'en général, c'est notre jeu, notre théâtre, là. Je lui dis, tu sais, je me suis arrêté en 1900 parce que si ce bouquin marche, on fait le tome 2, on fait les hommes célèbres du XXe siècle ou du XXIe siècle, et ça serait plus, on va dire, plus marrant, plus anecdotique, parce que vous les connaîtriez, vous pouvez les croiser dans la rue, bon, certains seraient, on mettrait bien entendu des vivants. Et j'en ai en plus, hein, je pourrais vous raconter les histoires de nos politiques locaux, ou de ce genre de choses, j'en ai quelques-uns. Parce qu'en plus, des fois, certains m'ont eu téléphoné en me disant « Vous pourriez me chercher mes ancêtres hein ?» Je leur ai dit « Bien entendu, moi, une finance, on va s'arranger. » C'est pas vrai, jamais. Le plaisir, ça se fait pas. Moi, c'est ma philosophie, moi, je ne fais pas le plaisir. Et donc, je fais souvent des généalogies comme ça, parce que ça me plaît, donc souvent je les fais, et voilà, ça c'est un peu ce résultat-là. Il y a 10 personnages médiévaux, il y a un millénaire en réalité, il y a 10, sur ces 84 chapitres, on a 10 personnages médiévaux, en commençant par la Batoulib, parce que bon, c'était l'idée de faire, j'en ai discuté avec les éditeurs, avec des copains, bon, je pourrais mettre certains personnages médiévaux parce qu'ils sont sympas. Parce que, puisque ta volonté c'est aussi de faire... même arbitrairement, même subtilement, un panthéon des gens que tu considères comme étant des grands hommes, ce serait sympa. Bon, alors j'ai mis la Batoulib, j'ai mis notre plus grand souverain du Moyen-Âge, Jacques Ier le Conquérant, où il m'a été donné de découvrir que le plus grand souverain des Catalans, ben, il a peu de sang catalan. Je vais dire si tant est qu'il en est. Ben, il va dire de l'ADN, on s'en fout. C'est le poids dans l'histoire, hein. C'est comme on dit, si un tel avait vécu, mais on s'en fout, il est mort pour l'histoire. Qu'il ait vécu 30 ans de plus, ça n'a pas d'importance, puisqu'il est mort pour l'histoire. Quand on est un grand homme, bien entendu. De ce fait, Jean Meublimé, il est quand même peut-être le fils de son père. Ça, c'est la conclusion que je fais quand même. Vous savez, de mal à se rouler, de pas le meilleur. Hein. Donc de mère, certainement, bon, c'est sûr, mais... peut-être. Et on sait que sa mère, Marie de Montpellier, qui n'était pas une première main, il l'écrit lui-même dans le livre d'Ausfers. Lui, puisqu'elle avait été quand même une fois récudiée, une fois veuve, bon, il la récupère sur le port de Montpellier, Montpellier n'était pas trop sur la plage. Bon, c'est peut-être bucolique aussi, mais, ou romantique, mais le fait est que elle-même, Marie de Montpellier, issue des Guillaume de Montpellier, qui s'appellent tous Guillaume IX, fils de Guillaume VIII, fils de Guillaume VII. À un moment donné, il y a une fille là au milieu qui est une héritière et qui descend d'une famille catalane qui s'appelle les Torroges, si mes souvenirs sont bons. Alors, par sa mère, par les Guillaume non plus, ils sont des catalans. Ouais. Bon, si tant est que les gens se considèrent catalans à l'époque. Du côté de sa mère, c'est les empereurs byzantins.
Mais vous savez que uniquement le grand-père de sa grand-mère maternelle, puisque ensuite ce sont des hommes politiques, on va dire, de Byzance, des ministres assez importants de Byzance, qui avaient fréquenté des femmes de mauvaise vie. Et on sait que son arrière-grand-mère était une belle femme. Mais elle venait d'endroits peu fréquentables. Là, vous voyez. Et du côté de son père, si on considère que Pierre le catholique était son père, il y a beaucoup plus de saint germanique que de saint catalan. Le saint catalan, dans nos souverains médiévaux, il est uniquement par les hommes. Alors que, j'y reviens encore une fois, on sait très bien que des fois, c'est pas le père. Cela dit, il y a tant d'endogamie, il y a tellement d'endogamie à l'époque qu'ils descendent de tous, hein, rassurez-vous, je veux dire, tous les rois d'Angleterre descendent des rois d'Angleterre, tous les rois de France descendent des rois de France, et ils descendent tous de toutes les monarchies européennes. Alors, ça vous permettait de retrouver ces histoires-là, c'était assez sympa, de retrouver aussi des gens, des personnages médiévaux qui sont méconnus chez nous, et à travers l'histoire de leur famille, de les faire connaître. Par exemple, Ramon de Pleyos, qui est un grand homme politique, du tout début du 15e, fin 14e, début du 15e siècle, du temps de Jean Ier et de Martin Ier, qui est originaire par sa famille de Pelayos, Périos, là, au-dessus d'Opoul. Il y a deux habitants aujourd'hui, 3, 4, 5, encore, c'est pas des gens de Périos, c'est des gens qui reconstruisent le village, puisqu'il avait été abandonné. Et vous avez le château originel, éponyme de la famille de Pelayos, qui était une grande famille top politique, bien entendu, de la noblesse à Barcelone, et qui, ayant commis un péché de lèse-majesté contre Jean Ier, est allé faire un pèlerinage au purgatoire. Il en a écrit un des romans importants de la littérature de la fin du Moyen-Âge, qui est Viage au purgatoire, les voyages au purgatoire, qui est, vous savez où c'est le purgatoire? Vous savez pas du tout où c'est le purgatoire, hein? Ben, écoutez, on va faire un truc. Vous allez prendre l'avion à Gérone, Ryanair, et vous atterrissez à Dublin, puisque le purgatoire est en Irlande. Et vous allez au purgatoire de Saint-Patrick, où on faisait des pèlerinages au Moyen-Âge, et où est allé Ramon de Pleyos. Donc si vous voulez un peu expier vos péchés, vous pouvez découvrir le purgatoire de Saint-Patrice. Vous voyez qu'au-dessus, j'ai mis une photo des corbières et du château d'Opoul. Bon, vous le voyez de loin, excusez-moi. Et puis dessous, vous avez la Verterin. Même donc une photo de ce purgatoire de Saint-Patrice qui est aujourd'hui dans la province de l'Ulster. Il est allé là-bas. Alors ça, c'est des trucs cool, hein. Bien entendu, ça m'intéresse de vous intéresser à travers l'anecdote. Hein. C'est ça que j'essaie de faire à travers chacune de ces petites histoires. Parce qu'en réalité, c'est un vrai événement politique pour notre histoire à ce moment-là. Voilà, on a toute une série de gens comme ça. Hein. Alors, quel a été le lieu de ma recherche? Chez nous. Où c'est chez nous? Ben, notre salle, ce Bagnoul, le Pertus, le Passe de la Case, ben, là chez nous, les PO, si vous voulez, quand on est dans le Nord, le pays catalan, appelez-le comme vous voulez. Notre partie de Catalogne à nous, on va dire. Mais j'ai inclus, je les ai annexés aussi, j'ai quelques petits gabages de Languedoc qui sont de Saint-Paul-de-Fouillé, hein, rassurez-vous. Puis je les aime beaucoup, moi, les gabages, donc, ils m'ont permis de faire ma thèse doctorale, donc ça me plaît beaucoup. Et. J'ai choisi cet espace-là à cause simplement de nos archives, de la facilité de trouver les archives. Alors, bien entendu, quand ces recherches me portaient ailleurs, je les ai poursuivies ailleurs. Quand l'intellectuel Joan Amad nous explique que son père est originaire du Gers et de Gascogne, j'ai continué quelque peu les recherches en Gascogne. L'arrière-grand-père d'Aristide Mayol, qui est originaire de Llança, je suis allé voir les registres paroissiaux de Llança. Son arrière-grand-père, Mayol. Parce qu'il descend des deux Mayol, des Mayol de l'autre côté, des Mayol de Bagnoul, c'est par ça. Je commence à vous expliquer un peu l'histoire d'Aristide. Parce que j'ai estimé aussi qu'on en avait assez pour raconter notre propre histoire, nous. Alors j'ai toujours.
aurait pu trouver des Catalans plus importants, plus universels, Dali, Gaudi, qui vous voulez. Ouais, mais ça m'aurait demandé un boulot encore plus important. Et à un moment donné, ce qui m'intéressait, c'est de faire connaître et de faire parler les familles d'ici, pour que les gens d'ici, à un moment donné, puissent s'y raccrocher. À un moment donné, vous trouverez quelqu'un avec qui vous êtes parent. Vous trouverez tel, arrière-grand-mère d'un tel, et doit être cousine germaine avec un tel. Forcément, forcément. Pourquoi? Parce que plus vous remontez dans le temps, moins il y a de population. Et vraiment, moins de population. On raisonne toujours sur des quantités démographiques, sur des volumes et des quantités de population extrêmement réduites. Alors, j'ai choisi cet espace-là, c'est le nôtre. J'ai lancé un petit projet, je ne sais pas encore. Je pense qu'il est un peu gros. Les gens ont un peu peur de faire la même chose pour l'ensemble de la Catalogne, mais c'est multiplié par 6 ou 7 ou 8 ou 10, ce volume-là. Et puis le choix sera encore plus difficile à rigueur. Je peux m'auto-proclamer arbitre de qui figure dans mon livre de biographie familiale ou pas, puisque ce choix, je vous l'ai dit, est fondamentalement subjectif. Qui j'y ai mis? Des hommes politiques, des juristes, des écrivains, des poètes, des historiens, des archivistes, des artistes, des religieux, des industriels, des médecins, des linguistes, des sportifs et des bandits. De tout, de tout. Il y a les petits, les grands, les bons, les méchants. Ben oui, parce que, bon, alors, bien entendu, il y a des bandits et des pseudo-bandits. Des bandits chez nous, par exemple, vous y trouverez un Bicène Justafré, qui fait partie, soi-disant, de la bande des Trabucaïens. Alors, bien entendu, au-delà du fait que, en tant que roussillonnais, on a inséré dans notre histoire les Trabucaïens, comme un moment important du deuxième tiers du 19e siècle, bon, très bien. Seulement, le problème, c'est que les Trabucaïens, jamais n'avaient pas. Ce sont des gens du Principat de Catalogne qui venaient se réfugier là, bandits de droit commun, mi-bandits pseudo-politiques. Bon, le fait est qu'ils venaient là, et ça a eu assez d'écho médiatique pour que ça reste même dans l'inconscient collectif des Catalans d'ici. Alors c'est quelque chose qui est très peu connu dans le reste de la Catalogne, beaucoup moins connu. On s'est connu dans les guerres carlistes, la guerre rosmatinée, ce genre de choses. Alors, j'ai cherché quelqu'un qui avait été copain des bandits. Ben ouais, les Justafrés, s'il y a des Justafrés dans la salle qui me pardonnent, on a le droit d'être copain de bandits aussi. Je veux dire, on n'est pas soumis à porter l'opprobre de ses ancêtres pendant des siècles. Puisque vous savez que nous descendons tous des grands et des petits. Moi, je descends du gars qui est allé en prison parce qu'il ne payait pas ses impôts en 1670 et du juge qui l'a foutu en prison. Il ne savait pas que 7 ou 8 générations après, leurs descendants se mariaient entre eux. Vous le trouverez ça en faisant vos propres recherches généalogiques. Vous avez donc un panel général de la société où j'ai inclus ces petites gens. Puisqu'en réalité, c'est un livre des petites gens. La plupart de nos... On descend tous des petites gens. Et ça crée d'ailleurs de l'humilité dans notre propre identité. On descend des rois, on descend des comtes, on descend des reines, mais ouais, par chemin détourné, par la cuisse un peu légère de certains. Bon, c'est tout. Par contre, ce livre-là me permet de parler des petites gens. C'est ça aussi qui m'a intéressé. C'est pas qu'en termes idéologiques ni quoi que ce soit, mais ils ont tous leur importance à l'histoire. On ne serait pas là en plus à en discuter. Alors, au-delà de faire connaître toute une série de personnes, et donc surtout leur famille, au-delà du pourquoi, du comment, de la composition de ce livre, je vous ai dit en commençant, c'est un livre de généalogie, mais c'est un livre d'histoire. Et alors, dans la deuxième partie, si vous voulez, de cette présentation, puis quand vous faites comme mes étudiants, hein, quand vous en avez marre, vous me coupez. Vous dites, mais là, ça suffit. Puis je vous dis, c'est la deuxième partie, il n'y en a que deux, hein. Il n'y en a pas plus. J'ai fini par me rendre compte que je fabriquais de l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il en est ressorti comme histoire de toutes ces petites histoires? Alors, toute une série de choses. Je veux croire donc, à travers un livre qui se veut fondamentalement de divulgation, il y a aussi un petit apport historique. C'est là que je veux en venir.
Tout d'abord, ça m'a permis de vérifier, de réviser certaines histoires familiales. Histoires familiales qui existaient déjà, qui m'ont servi aussi dans, bibliographiquement, on va dire, certaines avaient été étudiées, certaines familles avaient été étudiées, on connaissait la famille du maréchal Joffre, on connaissait la famille de Hyacinthe Rigaud, on connaissait la famille de Jobert de Passat, on connaissait la famille, etc., etc. Et là, ça a été le moment pour moi d'aller vérifier si, puisque j'avais à disposition les registres paroissiaux, les registres d'état civil, les registres notariaux, si ce qu'on racontait était correct. Alors, rassurez-vous, la plupart du temps c'est correct, mais de temps en temps on trouve des bêtises. Exemple, Jobert, puisque je vous parlais de Jobert de Passat, Jobert de Passat, il ne porte pas un nom de Passat parce qu'il était seigneur de Passat, et ça vous le lirez, vous le trouverez écrit. Jobert de Passat, tout simplement, il s'appelle comme ça, d'ailleurs il n'y a que lui qui s'appelle comme ça. Nice, son père, si vous voulez, surtout lui qui l'utilise. C'est pour se différencier tout simplement des Jobert de Liupia. Dont est originaire son arrière-grand-père, puisque les Jobert sont une très vieille famille de Liupia et pas de Thuir. Alors ça, il ne se mélange pas. Hein. Ça, c'est comme Pontéa et Trouillat, c'est comme Bagnols et Cognon, hein, c'est qu'on ne se mélange pas. Bachas ne se mélange pas avec cet esthème. Il y a des limites comme ça, c'est beaucoup plus fort que le mur de Berlin, ça. On ne se marie pas. Moi qui suis un Fourcadin, j'ai aucun ancêtre à Trouillas, au plat. On ne se connaît pas. À Saint-Laurent de Cerdagne, on ne dit pas qu'ils ont des ancêtres à France de Moyau. Alors qu'ils en sont tous, hein, à peu près beaucoup en tout cas. Sinon, vous risquez de vous faire aussi lyncher. Je veux dire par là que j'ai un peu donc révisé cette histoire de Jobert de Passat, qui n'était pas noble en réalité, son arrière-grand-père, qui est un père Jobert de Liupia, vient un fils cadet de cette famille Jobert de Liupia, s'installe à Passat parce qu'il épouse une riche héritière de la famille Paraï, dont il y a toujours la maison aujourd'hui sur la place de Passat, Paraï. Et il y en aurait eu une photo, mais chaque fois que j'y allais, il y avait des fourgonnettes, ou des tracteurs, ou des trucs de vannes, et bon, c'était moche. Alors j'ai mis le monastère qui est nettement plus connu pour illustrer Jobert de Passat. Et par contre, il est tout à fait noble par sa mère, qui elle descend de toute une famille du pape Alespire, de Céré, des seigneurs de Nidoulère, hein, des seigneurs de la Ziès, des barons de Rimoguès. Vous allez me dire, attends, barons de Rimoguès, Non, non, la possession de la terre est un revenu. C'est ça qui est intéressant. De ce fait, moi à l'époque, j'aurais bien aimé être baron de Rimoguès. Les Miro, par exemple, de Syrie, qui sont barons de Rimouès, ou les Villars, qui sont seigneurs de Nidoleras, ce sont des personnages importants, riches. C'est quasiment les caciques, les gens qui tiennent le pouvoir sur le Baba l'Espire, qui au début sont riches pagesus, puis deviennent notaires, puis deviennent marchands, puis avec cet argent, ils achètent les seigneuries. Et ça, c'est assez intéressant de voir ça. C'est de ce fait ce qui explique certainement le fait que Jobert soit né à Syrie. Et pas ça. Au monastère, d'ailleurs, le monastère, la famille ne l'acquiert que bien plus tard, hein, au moment de la génération de son père. J'ai aussi, par exemple, trouvé, c'est pas moi d'ailleurs, la correction de l'arbre généalogique de Hyacinthe Rigaud, le grand peintre de Louis XIV, né 4 mois avant le traité des Pyrénées, en juillet 1659. Quelqu'un a fait sa généalogie à la fin du 19e siècle, et depuis 100 ans, tout le monde répète la même bêtise. Sans être allé jamais vérifier, alors qu'on a tous les registres à portée de la main, et qu'on n'est jamais allé vérifier. Or, c'est une doctorante, non, c'est la première fois que je peux dire qu'elle est docteur maintenant, puisqu'elle a passé sa thèse, elle a soutenu sa thèse il y a 3 semaines maintenant, une étudiante donc, qui est maintenant docteur en histoire de l'art, qui s'appelle Stéphanie Doppler, qui travaille sur les peintures, les sculptures et le milieu social des artistes au début de l'époque moderne, qui a fouillé les archives notariales, et elle a fini par infirmer, là, à travers 2 ou 3 documents, qu'elle m'a donné d'ailleurs, je veux dire, moi, je vais citer en tant que tel là, c'est elle qui a découvert cette chose-là, et donc, pardon, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai recherché ailleurs, j'ai recherché toutes les branches pour savoir où on venait.
Pour le moment, Rigaud, ils sont déjà là au début du XVIe siècle, fin du XVe siècle sur Perpignan. Est-ce qu'ils en sont originaires avant? Le nom de famille est là, déjà, Rigaud, c'est un nom germanique, mais des Rigaud, il y en a aussi bien à Alicante qu'à Clermont-Ferrand, qu'à Marseille ou qu'à Bordeaux. C'est assez typique comme nom de famille chez nous, donc ils peuvent être de partout, ils peuvent être aussi des Perpignanais, bien entendu. Voilà ce genre de choses. Et puis, je me suis trouvé confronté, comme je le disais il y a un petit moment, au problème des lacunes d'archives. Hein. Par exemple, quand j'ai le conventionnel Cassagnes, dont la mère est d'Argelès, bon, Argelès, mais un problème, Cavagnols, pas de registre avant 1737, ou alors on a un index, par exemple un index de mariage, mais on n'a pas les registres paroissiaux. Enfin, officiellement, certains s'avouissent, vous savez, il y a des choses qui disparaissent, et puis parfois sont au fond de caisse, au fond de grenier, au fond de maison, au fond de... Enfin. Et à ce moment, je suis à la poursuite des archives notariales de Thuir, par exemple, qui sont avec une certaine. Il nous manque 150 ans d'archives notariales de Thuir et une centaine d'années des archives d'Elne, pas tant, vous devriez dire 50 ans. C'est les seules lacunes d'archives notariales chez nous, c'est quand même extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup d'endroits en Europe qui peuvent en dire autant. Chez nous, et y compris dans l'ensemble catalan, dans l'ensemble catalano-occitan, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on a ça. Sachant, par exemple, pour reconstruire l'histoire familiale, que chez nous, à l'époque moderne, un mariage ne correspond pas à un contrat de mariage, mais presque. Mais presque. Si on n'a pas de contrat de mariage, on trouvera un testament. Si on n'a pas de testament, on trouvera les concordias, on a des règlements de succession, des partages de succession, on trouvera des inventaires de biens, on trouvera toujours quelque chose. Quand on finit toujours par trouver quelque chose. Ça, c'était une première partie, mais bon. On se retrouve dans ce premier, si vous voulez, à faire un travail qui serait de correction, qui est un peu de remettre les pendules à l'heure, même s'il n'y a qu'une volonté, non pas de dire, ah, vous savez, le gars qui a écrit ça, il ne voit rien. Non, non, il l'a fait avec les instruments qu'il avait, avec les capacités qu'il avait. Comme je vous dis, il y a déjà des gens qui m'ont dit, ah, tu t'es trompé sur telle date, tu t'es trompé. Ah, oui, pas de problème. Non. On est là pour tous faire avancer les choses. Alors, ce que j'ai voulu aussi, en racontant la vie de l'ascendant, c'est en racontant pas la vie de mon personnage, oui, j'ai oublié de vous dire en commençant que la vie du personnage est rappelée à travers un petit encadré à la fin, à travers un petit texte qui n'est pas de moi, qui est un texte qu'avait fait Émilie Horner-Lassalle, qui travaillait à France Bleu Roussillon et qui fait toujours des chroniques sur France Bleu Roussillon, elle en fait aussi sur l'Indep. Et parler de vie d'homme célèbre, je lui ai proposé, je lui ai dit si tu veux, tu pourrais mettre ça, ça rappellerait aux gens qui est le personnage, ça permettrait de le faire connaître et de lancer un peu d'intérêt. Ce que je voulais aussi, c'était à travers ces vies d'ascendance, c'était raconter l'histoire démographique du pays. Voir par exemple, ça se voit parfaitement, comment la montagne peuple la plaine. Comment au XVIIIe et au XIXe siècle, les gens du Val-Espire viennent vers le Roussillon, viennent vers les Albères, viennent vers Bagnols. Comment les gens de Prats-de-Moyaux ou d'Arles viennent peupler Bagnols. Ou viennent en tout cas boucher les trous démographiques qu'il y a eu à un moment donné. Comment les bergers ou les petits paysans de la vallée de Mossette, de la vallée de Connat, de la vallée d'Aigoutec, des Garroches, tout ça, descendent sur le Riveral, descendent sur le Roussillon. Comment les gens des Corbières qui sont proches, viennent peupler la Salanque, ou viennent peupler Rivesaltes, viennent peupler Saint-Estève, viennent peupler Perros-Cortes, et tout ça. On voit ça parfaitement à travers ces histoires de famille. Puis, bien entendu, on a chaque fois, à travers certains personnages, des histoires de villages qui sont contées, raconter les ancêtres du poète Pau Berg, c'est raconter la vie des familles de Pésilia. Ils sont tous de Pésilia. À Pésilia, il y a une endogamie de fous. Ils se marient tous entre eux. Quand je suis à l'extérieur faire cette conférence, je dis la même chose de Bagnols, mais là, je ne vais pas les dire. D'ailleurs, quand je serai à Bagnols, je ne le dirai pas. À Bagnols, il y a une endogamie. Heureusement que de temps en temps, il y a des arrivées de migrants, sinon je pense que tout le monde s'appellerait Rech ou Sagols ou Mayol ou Pi, ou qui sont plus un peu plus. Grosse Bronze,
mélange pas les torchons et ça va être rien. Pareil, par exemple, quand je parle de l'abbé Thorel, qui est un grand historien du début du 20e, du 19e siècle, fait de tout le 19e siècle, lui, il est originaire de Bachas. À Bachas, je veux dire, on ne sort pas de Bachas pour se marier. À Bachas, je pense que j'en avais parlé une fois quand j'avais parlé des histoires familiales, c'est un des rares endroits, Bagnos, c'est un des deux ou trois rares aussi, hein, où même dans l'état civil français, où ce n'est pas officiel, il y a deux noms de famille, hein, parce qu'ils s'appellent tous pareil. Alors pour différencier Bobo, Vidal, Taribus, Bobo, on leur met chaque fois, et puis il y a les Farines Vidal pour les Farines Bobo. Ça marche comme ça, ou les bons hommes Vidal, les bons hommes Farines, ou les Tarieux, etc. Ça fonctionne comme ça. Bah, là, ici, c'est pareil, hein, vous rajouterez les Pagès, vous rajouterez toute une série de noms typiques, on va dire, de Bagnols, et vous auriez la même chose. Alors, on retrouve ça uniquement en voyant cette généalogie. De la même manière, dans un sens plus large, je vous ai parlé de la montagne vers la mer, je vous ai parlé, je veux dire, des endogamies sur certains villages qui sont spécifiques. Parenthèse, ceci dit, Bagnols, par rapport à Collioure, un village beaucoup plus ouvert aux influences extérieures. On a beau être sur la vallée de Bagnols, on a beau être peu lié à la mer étant souvent une sorte d'interface, on va dire, avec le monde extérieur, on est aussi lié, bah, les Colliurais qui sont Colliurais, c'est pire. Les Colliurais, qu'on a les mêmes noms de familles, les mêmes familles depuis au moins le 15e siècle. Ah ben nous, ça fait compliqué quand même, de trouver les mêmes. On est sur des îlots démographiques. À Collioure, on est sur un îlot démographique. J'avais étudié ça l'an dernier sur les populations du littoral, ça me fait penser à ça maintenant, où j'avais essayé de classer une typologie de tous les villages du littoral, quasiment de Narbonne jusqu'à la Costa Brava. Et on a des îlots, Collioure, Cataques, Le Cat, Gruissant, il n'y a que des gens de là-bas. Par contre, quand on est. Parce qu'en plus, ils sont sur la mer, quelque part, même, je vais dire que géographiquement, c'est presque des presqu'îles, c'est presque des péninsules. Ils sont vraiment sur la mer et rien d'autre. Les autres, ils sont un peu en retrait de la mer, enfin, à Bagnols, on est en retrait de la mer. Avant, en tout cas, on ne peuplait la montagne, on ne peuplait pas autant le littoral. C'est pareil pour tout le littoral roussillonnais. C'est pareil pour Yansa, c'est pareil pour le port de la Selve, c'est pareil pour Portbou, c'est pareil pour Saint-Frioux de Guichot, c'est pareil pour Palafrugell. On a toute une série de choses. Et ces gens-là, eux, par contre, ils sont peuplés par l'intérieur. Et puis certains gros villages, ports, on va dire, eux, ils sont aussi bien peuplés par les gens de l'intérieur que par les gens de la mer, qui viennent de l'extérieur. Je referme ma parenthèse. Au-delà de ces types de peuplements, on retrouve, bien entendu, et ça relie avec ce que je vais vous dire, avec ce que je viens de vous dire, avec les grands mouvements migratoires. Alors moi, vous savez, j'étais venu une fois vous parler des mouvements migratoires des Occitans en Catalogne. Quand je recherche les ancêtres des Pams, des Violets, des Rousses, je vous en ai parlé, des Joffre, de Brousse, de la famille Brousse, des Bananes, des Cantalou Catala du chocolat, d'Albert Saïsset Untal, de Joseph de la Trincheria, le héros national des Catalans au XVIIe siècle, héros inventé, c'est notre mythologie, parce qu'il faut se trouver des résistants à un moment donné, des Violets, par exemple, les inventeurs du bir, et de la grande multinationale qui est le bir entre la fin 19e et le 20e siècle. Tous ces gens-là, pour ne parler que de ceux qui leur ont porté leur patronyme, sont des descendants de Gavache. Pams, l'inventeur de... On me dira si je me trompe ou pas. Un des inventeurs de Port-Vendres, ou les familles Pams, il fait partie de ces familles fondatrices qui ont fait Port-Vendres à un moment donné. Comme je vous pouvais parler des Massottes qui ont créé le Pertus, au moment où les frontières ont bougé. Mais Pams... Alors Pams, on le suit sur le littoral jusqu'en 1637 et on trouve son ancêtre direct d'abord à Canet puis venant de Salsa, et on le trouve dans la liste des Français de 1637. Joan Pams, il écrit le P-A-M-P-S, dit Kersi,
Alors, est-ce que c'était un surnom de soldat? Souvent, les soldats prenaient la région d'origine comme surnom, à part d'un surnom du style la fleur ou la fleurette ou la jeunesse ou la joie. Et il est marqué Natural de Carcassonne. Alors, est-ce que la filiation à travers cette famille Pam, c'est Port-Vendre, Canet, Sens, Carcassonne, le Quercy, la région du Lot, si vous voulez, la région de Caorle? Bah, ce serait sympa d'avoir trouvé ça sur, on va dire, 350 ans au-dessus. Pour le moment, on est à Carcassonne, je n'ai pas remonté, pas encore au-dessus. Joffre, par exemple, le maréchal Joffre descend d'un boulanger de Cessenon dans le Languedoc, dans l'Hérault, actuellement, qui est installé à Perpignan, qui s'installe à Perpignan vers 1690, qui épouse une veuve perpignanaise, qui a des propriétés à Rivesaltes, d'où le fait que la famille Joffre ensuite s'établisse sur Rivesaltes, où il y a déjà des Joffres. Ça veut dire que si à un moment donné vous êtes un Joffre, ou vous avez des Joffres originaires dans votre ascendance de Rivesaltes, vous pouvez être des Joffres locaux ou des Joffres venant de ces familles descendants, comme le maréchal Joffre de l'Hérault. Parce que Joffre est un prénom que l'on retrouve aussi dans tout l'ensemble catalan, un nom pardon, que l'on retrouve aussi dans tout l'ensemble catalano-occitan. Pareil pour les Cantalous et les Catalans. Alors, ce qui est sympa, c'est de penser que Catalan, lui, il est gabache. La famille Catalan qui a fondé le chocolat, en vérité, ce sont deux beaux-frères qui ont épousé les filles d'un chocolatier qui s'appelait Parès. Parfois, ces Parès sont une vieille famille du Tech, du village du Tech entre Prats-de-Molio et Arles. Et les Catalans sont originaires de Maury. C'est des gavaches, au plat. Maurice, c'est après la frontière. Moi, que je sache. On se signait, je crois, quand on passait le port. Hein, à Fouillé Stagel. La légende voulait que les gens fassent le testament. Ça, je n'ai jamais trouvé, par contre. Hein. Pendant longtemps, il y avait ce livre qui fouillait des quantités industrielles de testaments et de contrats. Je n'ai jamais trouvé un seul testament de catalan partant à l'étranger, quel que soit l'étranger. Et on vous dit toujours qu'il ne fallait pas passer le pas de Sals, le pas de Sals d'avoir fait ça. J'allais trop. Mais. Ça se dit. Et donc, les Catalans, on retrouve ce nom de famille implanté dans une grande partie du Languedoc. Et vous comprenez très bien que pour qu'à un moment donné, on donne le nom gentilis, c'est-à-dire le nom issu d'un qualificatif qui vous renvoie à un toponyme à la Catalogne. Il faut que vous sortiez de la région, du pays, de l'endroit d'où on vous a donné le nom. Et la plupart des gens qui s'appellent Bagnouls, ils n'habitent pas Bagnouls. Ils sont d'ailleurs, quand ils viennent de Vienne, oui. Ils viennent d'un des Bagnouls, oui. Par contre, pour s'appeler catalan, il faut à un moment donné être sorti de Catalogne pour qu'on vous désigne comme tel dans une communauté extérieure. Et donc, aussi paradoxal que ça puisse paraître, la plupart des gens qui s'appellent catalan sont des gabaches, ou ont été à un moment donné de certaines générations de leur filiation des gabaches, des occitans. Que l'on va trouver sur le pourtour méditerranéen nord-occidental, parce qu'on retrouve des catalans ou des catalani en Italie, on retrouve des catalanos en Grèce. Donc, comme on était quand même assez voyageurs et assez marins pour se promener sur toute la Méditerranée, on trouve ça. Alors, catalan, on le trouve là. Cantalou, lui, il venait de Beaumont de Lomagne, hein, son arrière-arrière-arrière-grand-père, je crois, la sixième génération, il était un draginier, un marchand, un négociant, qui venait de Beaumont de Lomagne, entre Toulouse et le Gers, si vous voulez, entre Toulouse, Agen et Florence, Condom, toute cette région-là. Voilà, on trouve ce genre de choses. Alors, l'anecdote, bien entendu, de notre héros Joseph de la Trincherie, c'est que Joseph de la Trincherie a un arrière-grand-père qui s'appelait Père Pouncier, qui débarque à Prats-de-Molio en 1520-1530, d'un petit village qui s'appelle Saint-Jean de l'Espinasse, qui s'appelle aujourd'hui Saint-Jean-l'Espinasse, dans le Quercy, encore une fois on y revient, beaucoup de migrants viennent de ces régions-là. Hein. Il est sieur de l'eau, il est sardo, comme on dit à l'époque. Il a un des noms de l'endroit, de ce qu'on appelle une scierie, c'est une trincherie, puisqu'on va trincha, on va scier. Et au bout d'un moment, on l'appelle dite dans la trincherie, hein, et à un moment donné, le premier patronyme, Poncia.
D'ailleurs, on trouve un mas, une ferme, là, Poncy, près de ce village de Saint-Germain-des-Espinasses, qui est certainement l'endroit d'où sont originaires la famille de Joseph, d'où sont originaires les ancêtres de la famille de Joseph d'Antigérie. Et lui, finalement, déjà son grand-père n'a que ce nom de Trincherien, qui est toujours porté, il y a toujours des descendants. Hein. Puisque vous savez qu'après la révolte des Angelettes, Trincherien, lui, s'engage dans l'armée du roi d'Espagne, et il fait souche à Olot, où vous pouvez encore visiter la case museo de Trincherien. Elle l'a visité parce que c'est une belle maison, on visite le fameux lit de José de la Trincherien, et ses descendants sont toujours vivants. Alors, il s'appelle de Trincherien, avec CH, le nom a été castillanisé, et ils ont fait partie, c'est des gens qui ont fait carrière dans l'armée, qui étaient quasiment la noblesse d'armée par la suite, aujourd'hui très engagés politiquement, puisque le descendant est le représentant du Parti Populaire, de droite donc, pour la région d'Olot. Bon, il ne l'est plus maintenant, un des derniers descendants était le chef du Parti Populaire. Alors, vous voyez aussi à travers ces histoires combien des apports étrangers, l'apport des Basques, l'apport des Génois, que vous trouvez dans certains ancêtres de certains personnages, vous en avez déjà parlé. Vous avez mis des locaux, hein, enfin, puisqu'après tout, on vit tous de l'extérieur. Ben, oui, on en a bien entendu, on en a d'assez spécifiques. Quand on parle de Gilbert Brutus, quand on parle des médecins Bonafos, quand on parle de Carlos Grando, le Félibrige du XXe siècle, on a des gens qui sont d'ici. On a les Danluyès, sont peut-être originaires d'ici. Ici, ah ouais, de Sournia, vous avez dit, ah ouais, alors ils sont comme les Qatars, ils sont juste de l'autre côté de l'ancienne frontière politique. Bon. Et puis, à travers ces migrations, j'ai trouvé des choses nouvelles. Par exemple, beaucoup de familles venant du Languedoc, je n'avais pas forcément bien cerné à l'époque de ma thèse de doctorat, font des étapes. Parmi ces ascendants de marchands, j'en ai beaucoup qui, venant du Gers, venant du Haut-Languedoc, venant de la région de Saint-Gaudens-de-la-Marne, souvent, quand ce sont des marchands, ils font une étape. On va dire, on a une génération à la Tour de France, à Sournia, à Saint-Paul-de-Venouillet, à Sigean. Pourquoi ? Je ne sais pas me l'expliquer. Je ne sais pas l'expliquer. C'est-à-dire que, on dirait que, on est intéressé par le marché commercial de la monarchie hispanique. Puis finalement, quand cette partie de Catalogne qui appartient à la monarchie hispanique rentre dans le royaume de France, même en tant que province étrangère, on finit par passer la frontière. Et de ce fait, c'est intéressant tous ces marchands, les Cantalous, les Brousses, les Catalans, les Dalbiès, les Païra, Jean Païra, le politique. Bon, ce sont déjà des descendants de ces marchands, petits ou grands, qui à un moment donné vont se servir du Roussillon comme plateforme pour conquérir ou pour passer l'autre frontière des Alvernes. C'est assez intéressant. C'est quelque part le même système que la plateforme perpignanaise aujourd'hui pour le commerce, pour les camions. C'est-à-dire, on est toujours cette zone de transition. C'est pas encore l'Espagne, c'est plus tout à fait la France, c'est pas le reste de la Catalogne, c'est plus le Languedoc. On est là, encore une fois, on y revient, ce fameux espace là où on est tranquille, entre les Alvernes, le Corbière, le Canigou, la Méditerranée, on y vient. Mais, en même temps, ça fait, c'est pas une plateforme d'éclatement, mais il est assez intéressant de retrouver ça, même là, à travers de simples histoires familiales. Vous le trouveriez sans aucun problème. Enfin, bien entendu, ce que me permet de voir toutes ces relations familiales, ce sont les relations matrimoniales. Je vous en ai parlé un peu, qui se marie avec qui? Comment on pratique l'ascension sociale? Comment on vient, de quelle catégorie sociale on descend? Je reviens à ça, avec quel village on se marie et surtout avec quel on ne se marie pas. Et quand on dit des fois on ne se marie pas, c'est des choses qu'on écrit mort sur blanc. On trouve des testaments dans lesquels on ne dit pas il ne faut pas se marier les gens de ce village-là, mais on trouve il ne faut pas que tu te maries avec un tel ou un tel, sinon je te déshérite. Ça marche, et on cite les gens. Et moi, je trouve ça de manière quasiment exceptionnelle, mais ça existe aussi.
Aujourd'hui, vous seriez passible des tribunaux si vous couchiez ça sur le testament. Mais on trouve ça à l'époque. En général, parce qu'on sait très bien qu'ils vont se marier par la suite. Qui traite des hérités. D'ailleurs, pour l'historien, trouver un document comme ça, ben, c'est trouver une histoire d'amour. Parce que si on brave l'interdit, ben, parce que quand on est historien du sentiment, il faut se lever le bonheur. Hein. On n'a pas Internet à l'époque. Hein. Donc on n'a pas les archives des messages qu'on s'envoie ou des SMS. Hein. Donc comment il faut quelque part procéder par des chemins détournés. Alors quand on voit que quelque part un couple finit par se marier, bravant l'interdit des ascendants, se payant le luxe d'être déshérité, fuyant, on va se marier à Gérone, parce qu'à Perpignan, mon père connaît l'évêque, il ne donnera pas la dispense de matrimoniale. Donc on va se marier avec l'évêque de Gérone, on se marie là, à Figueres, ou à Guyane, hein, ou à la Jouquère, il y a toujours à la Jouquère, il y a toujours à la Jouquère. Cela dit, elle n'existe pas comme elle existe aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de frontière. Hein. La frontière, elle n'est pas là-bas, à cette époque-là. Hein. La frontière, elle est plus loin, si vous voulez. Donc on fait ça. Et là, pour l'historien, c'est extrêmement intéressant, parce que quelque part, c'est trouver qu'il y a quelque chose de fort qui lie deux êtres, puisqu'ils sont prêts à braver tous ces interdits. On le fait des fois de manière beaucoup plus triviale. Hein. Et vous trouvez ça dans un procès pour viol. Ou pour réparer la chose, on va obliger les deux jeunes gens à se marier. Et on se rend compte qu'ils sont bien contents. Donc ça veut dire qu'ils ont mimé, ils ont théâtralisé un peu une violence faite par un homme à une femme de 18, de 17. En réalité, c'est l'âge où vous tombez amoureux et on a envie de se marier. Pourquoi ? Ça existe aussi à l'époque, malgré toutes ces histoires extrêmement, ces histoires familiales extrêmement juridiques. On fait un traité de famille, d'alliance familiale quand on fait un contrat de mariage. Et ces milliers, ces dizaines de milliers que l'on trouve à cette époque-là, ce sont des traités entre deux clans, entre deux familles. Même quand on est deux petits paysans. Vous voyez, c'est un peu tout ça que l'on retrouve là-dedans. Alors, je vous ai raconté toute une série de faits historiques. Vous pouvez aussi rester au niveau de l'anecdote, de chacun des gens que l'on connaît. Aimé Giral, qui à travers sa famille, hein, explique comment Perpignan s'est peuplé. Son père du Val-Espire, des Girals de Saint-Laurent-de-Serdin, sa mère qui est d'une Yec, de Saint-Destoré, et on explique tous ces petits fils de boulangers, hein, ce sont des boulangers qui se marient entre eux, des artisans, et ils finissent par arriver sur Perpignan. On laisse nos hautes vallées et on descend. Pareil pour... Non, je voulais parler de Païra, je me suis trompé, parce que Païra, c'est une histoire de meunier. Ils sont 7 ou 8 générations de meuniers. Le plus vieux que l'on trouve, il est à la Cabanas. Alors, il était certainement... C'était certainement un gavage qui était arrivé pour la construction de Mont-Louis, fin 17e. Et il s'est installé à Los Moulines. Vous avez encore à la Cabanas le hameau de Los Moulines. Je l'ai pris en photo. Et on suit l'histoire des Païra. Donc homme politique engagé dans le sport au XXe siècle, à travers les contrats de location de moulins. Alors on voit des servants qui descendent. Non, ils ne sont pas servants, pardon. À la Cabanas, on n'est pas servants. On est au Conflantin, on est sous le gosse à la perche. Et d'ailleurs, il n'y a que l'autre, parce que sa mère qui est servante, je crois que son père. Oui, je pense que son père est allé se marier avec une institutrice de Sayagouz. Donc à travers l'histoire de sa mère, on a quelques familles serdanes. Parce qu'il est très difficile, les serdanes, ils ont peu participé à l'histoire du Roussillon. Les serdanes, c'est les serdanes. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Hein. Vous choisirez qui sont les torchons et qui sont les serviettes. Mais on a très peu de grands personnages qui sont originaires de Cerdagne. Et donc à travers, par exemple, Païra, on trouve Païra, meunier à la Cabanas, puis des générations plus bas, meunier à Olette, meunier à Conat, meunier à Villelongue dels Monts, meunier à Torreilles. Et on suit jusqu'à arriver à notre personnage, même si souvent, on va quand même se marier dans nos villages d'origine. La preuve, son père s'est marié avec une fille allée de l'autre côté du col de la Perche, qui était à Sayagouz.
Ça nous permet de voir d'ailleurs que les Cerdans, à travers l'histoire de sa mère, ne peut pas les cerner d'un point de vue familial, d'un point de vue généalogique, parce qu'ils bougent tout le temps. Il est très difficile de trouver une famille de Cerdans qui soit d'un village. On est d'un village pendant 3 générations, puis on va à un autre village, par-delà l'actuelle frontière. On peut être de Bellevue, de Séagouze, de la vallée de Carole, de Boulby, de Sac, de Gers, de Poutcerda, de Livia, d'Estavar. On est de partout. Il y a des noms qui sont transversaux, comme ça. Les familles sont transversales. Par contre, ils vivent en vase clos. Ils se reproduisent en vase clos. Si vous voulez, c'est un... Je ne vais pas dire un bagnou, ça y est, c'est un bachas à l'échelle d'une comarque, à l'échelle de tout le plateau, de tout le haut plateau à Cerdan. Voilà ce genre de choses que vous pouvez trouver. Alors, je terminerai par Mayol, le bagnoulenc le plus célèbre, arrière-petit-fils de Raphaël Mayol, son grand-père était né à Sète, par hasard, puisque c'est des marins qui faisaient du cabotage. Et son arrière-grand-père, Raphaël Mayol, lui était un matelot, un marin aussi originaire de Llança, dont le père était maître de mignons, autrement dit, professeur des écoles, excusez-moi, aujourd'hui il serait professeur des écoles. Oui, c'est une phrase de Rio de Tomboulam. Qui avait épousé une fille de Port de la Selve, lui-même n'étant pas originaire de Llança, mais originaire de Coulomès qui est au sud, dans le Bas-Champourda, si vous voulez, un de ces villages, dans la région de Pals, de Verges, d'Albons, tous ces villages qui sont par là-bas, un peu plus bas, même plus vers Gironde. Et alors, bien entendu, beaucoup de ces marins fonctionnaient, malgré tout, dans leur relation matrimoniale par cabotage, exactement comme leur métier, et à un moment donné, Raphaël Mayol, né marin, fils d'instituteur de Llança, originaire de la province, finit par venir à la fin du XVIIIe siècle épouser Thérèse Mayol, elle issue directement des Mayols de Banyuls. Alors ici, il n'est pas des Mayols de Banyuls par les hommes. Il est des Mayols de Banyuls où il y a des Mayols depuis le Moyen-Âge, mais par son arrière-grand-mère paternelle. Du côté de sa mère, il est de Collioure. Oui, pardonnez-lui quand même. En plus, il a Henri Gavache, puisque son grand-père, Baptiste Roger, était aussi instituteur. Vous voyez comme les choses sont. Ça, c'est. Moi, je ne crois pas au hasard, mais je ne crois pas non plus à ce genre de relations, là, de synchronicité. Il est quand même sympa. On va dire comme ça, on va dire c'est sympa. Qu'il descende de nez par ses ancêtres Mayol, d'un maître d'école de Llança, et que du côté de sa mère, son grand-père, dont le père de sa mère, soit maître d'école. Alors, est-ce que ce sont les premiers hussards noirs de la République? J'en sais rien, puisqu'il est là avant la République, pas la troisième, je veux dire. Qui est originaire de Nébias. Un Nébias, c'est pas loin d'ailleurs, vous voyez que tout est lié. C'est pas loin de Rivail, de la Samance. Et quand vous êtes, vous laissez Guillaume et vous montez le col du Portel. Et que vous allez vers Puyvert, Villestin, La Vlanée, et lui de par là, Nébias, c'est par là aussi. Vous voyez, ils devaient se connaître, les ancêtres Rouget de Mayol avec les ancêtres Rousses de la Vérousse, qui étaient de Rivelle à quelques kilomètres. Et lui, il est instituteur à Couillouré, il épouse une fille de Couillouré. Bien entendu, à travers la grand-mère de Couillouré, qui s'appelle Catherine. Nom de Deo, inom de Deo. Il n'en manque pas des noms de Deo ou nom de Deo qui veut dire homme de Dieu, pas nom de Dieu, hein, parce que c'est un apostrophe à l'origine, un homme de Deo, quelqu'un qui était l'homme de Dieu. Alors ça, on peut l'interpréter comme on veut. Hein. Il vaut mieux pas s'y hasarder en plus. Et donc cette Catherine, nom de Deo, elle est nom de Deo, Gabis, Colonna, Villarem, les vieux noms que l'on trouve sur Collioure. Hein. Pour ce qui est de ces ancêtres, justement, venant de Nébias, j'ai pu remonter 3 générations, après, bah, il nous manque aussi des registres. À un moment donné, je n'ai pas fouillé beaucoup plus. Mais, par exemple, par sa grand-mère, qui est une Weiss, on retrouve, Clara Weiss, on trouve toute l'histoire du peuplement
beaucoup de Magnon, enfin beaucoup de gens de Prats-de-Moyo. Prats-de-Moyo en Ferré, où on trouve des Dolos, on trouve les Chapard, on trouve les Weiss, on trouve toutes ces familles qui, à un moment donné, viennent. Alors cela dit, ils épousent aussi des filles de Magnon. On trouve des Paré, des Masparé, on trouve des Aché, des Masaché, même si les Aché sont des Gamaches de 1637, de la fameuse liste dans laquelle on trouve les Pams, etc., etc. On trouve ces vieilles familles, et puis bien entendu, vous trouveriez déjà des familles qui ont disparu. Parce que chaque fois, moi je vous propose 5 générations dans le bouquin, mais dans mon... dans ma rédaction, même si elle est quand même brève aussi, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est un roman, hein, quand je peux trouver davantage de générations à l'arrière, je le fais. Dernière chose, puisque je suis à Bagnos, qui a des ports Vendré aussi, non, il y en a, non, non, il n'y en a pas, comme d'habitude. Si, je le sais, c'est pour ça que je... lire l'histoire de la famille Pams, c'est raconter l'histoire de Port-Vendré. Par exemple, sa mère et sa grand-mère qui sont des descendants de Génois, les Bronzoni ou les Valarino, qui viennent de la Spezia, qui viennent de Chiavari. On est en face, hein, ils ont pris le plateau, ils sont partis en face. Hein. Bon, ils ont fait le tour de la Corse, mais ils venaient d'en face. C'est l'Italie qui est en face. Hein, hein, c'est Génois. Ce sont nos cousins Génois. Plus, ici, on a plus de... dans le temps des relations familiales, on a plus de cousins génois quasiment que de cousins portugais ou andalous qui sont arrivés, eux, au XXe siècle. Mais avant, on a un rapport beaucoup plus direct à l'Italie qu'au reste de la péninsule ibérique. Donc vous pourriez retrouver en même temps tout ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que je suis pardonné.